Bonjour les gémeaux, si bien solaire ou si vous avez votre ascendant en gémeaux ou votre lune en gémeaux, bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose votre tirage du mois de septembre 2024 avec le tarot comme d'habitude. Donc c'est parti les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Regardons les énergies qui vous concernent pour cette rentrée. Donc c'est parti. On va regarder la coupe. Quelle est-elle Donc nous avons le pape et nous avons le 7 de coupe. Avec le pape, on nous parle d'un engagement plutôt conventionnel pour vous, d'une signature d'un contrat. Avec ce pape, on peut me parler de quelque chose qui est présent depuis un certain temps pour vous, que vous avez besoin de transmettre ou de léguer. On nous parle également de faire appel à un conseiller pour être guidé ou orienté dans une situation. Parce qu'avec le 7 de coupe, vous aurez besoin de faire un choix en septembre 2024. Et il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités pour vous. Il s'agit de choisir la bonne coupe. Donc, visiblement, vous voulez être réaliste, mais pour l'être, vous aurez besoin d'un accompagnement ou d'une aide, d'un conseiller. Alors, ça peut être un conseiller financier ça peut être un conseiller par rapport à votre activité professionnelle par rapport à votre orientation professionnelle un conseiller un thérapeute concernant votre vie personnelle en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de options et cela vous pose problème donc il me semble que euh, on va aussi vous transmettre des bons conseils soit vous prenez des bons conseils auprès d'une personne au sujet d'un contrat, d'un engagement, quelque chose d'assez conventionnel, soit vous prodiguez des bons conseils à d'autres personnes. Ça peut être un échange également, un partage. On peut être aussi sur des soins, hein, voilà, sur euh, des soins euh, au niveau spirituel, hein, j'entends par là, ou développement personnel. Le pape peut aussi représenter un guide, hein, un guide spirituel ou un thérapeute. Hein. Alors. Regardons ces belles cartes. Nous avons le 7 de denier, le 9 de bâton, le 8 de bâton, le 6 de coupe, la justice, le fou, le diable, le pendu et le 10 d'épée. Alors il y a quand même une, deux, trois, quatre arcanes majeurs dans votre, dans votre jeu. Alors il y a quelque chose de majeur ou d'important qui se passe pour vous en septembre. On sent que vous attendez quelque chose, ou vous êtes dans l'observation, vous souhaitez récolter le fruit de vos efforts. Il vous manque peut-être un petit quelque chose pour atteindre votre objectif. Tenez bon, soyez persévérant, persévérante. Les choses vont arriver plus vite que vous ne l'espériez. Parce que là, avec le 8 de bâton, il y a un mouvement rapide, une soudaineté. Alors ça peut être un message que vous recevez au niveau d'une communication rapide du type SMS mail. Ça peut être un message écrit en effet, ou comme une lettre aussi, hein. mais euh, là on sent que cette communication hein, va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi une communication orale ou un événement soudain qui arrive pour vous, qui va vous permettre de euh, repartir, redémarrer quelque chose. On sent ici qu'avec le 6 de coupe, vous êtes nostalgique d'une situation. Ça peut être à propos d'un engagement lié au passé que vous voulez reconsidérer ou revisiter. Ici, il y a bien un, nouvel, un nouveau départ. Avec le fou, on repart à zéro ou on part à zéro dans un engagement, dans un contrat. On légalise quelque chose ou on concrétise quelque chose d'officiel en lien avec le passé. Alors ça peut être en lien avec euh, votre jeunesse, ça peut, votre adolescence, ou alors c'est un passé plus récent, mais on sent que cet événement passé peut revenir à vous. Et c'est en termes euh, d'engagement ou de concrétisation, puisque j'y vois quand même ici une tentation avec le diable, un excès pour certains d'entre vous, quelque chose qui était resté bloqué, figé. Et là on va y mettre un terme, voilà, pour passer à autre chose. Donc ici on a attendu quelque chose depuis, certains, depuis un certain temps au niveau d'un engagement ou d'un contrat. On me montre quelque chose qui se termine pour redémarrer à zéro par rapport à un contrat. Donc on peut réitérer aussi un contrat d'engagement, euh, quelque chose comme ça, ça peut être en lien avec votre travail, ça peut être en lien avec votre vie matérielle, quoique je n'ai pas beaucoup de deniers. J'en ai aucun d'ailleurs assis ici euh, dans, dans votre jeu, où ça peut être en lien avec euh, le retour d'une histoire d'amour, d'un amour de jeunesse, un ex, une ex, voilà, que vous avez attendu depuis un certain temps. Et là vous avez une communication tout d'un coup, et voilà, on décide peut-être de repartir à zéro avec cette personne là j'y vois un engagement et j'y vois aussi une dépendance comme une dépendance affective concernant un contrat ou un engagement donc ça peut être aussi un projet de cœur qui revient à vous alors on peut me parler aussi euh, d'une aventure amoureuse pour certains d'entre vous euh, que vous pourriez envisager plus concrètement. Donc, euh, on peut me parler de passer à l'étape supérieure concernant une relation euh, ou une rencontre ou une personne que vous retrouvez. Vous allez envisager les choses différemment ou autrement euh, par rapport à un contrat ou un engagement. Euh, c'est dans votre tête, en fait, c'est votre état d'esprit qui change. Euh, dans un premier temps, euh, vous vous sentez peut-être pieds et mains liés dans une situation ou dépendant, c'est-à-dire dépendant soit affectif, soit, financier, soit financièrement, ou dépendant d'un travail, etc. Mais vous pourriez vous libérer euh, d'un certain état d'esprit qui est devenu obsolète pour vous. Donc il y a un soulagement au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. C'est la fin des ruminations mentales parce que vous avez attendu quelque chose depuis longtemps, et ce quelque chose peut arriver en septembre 2024. On va prendre un petit Le Normand pour développer votre guidance. Nous avons le soleil et nous avons le fouet. Alors ici, vous avez la réussite par rapport à des rivalités ou par rapport à un conflit. Vous avez la réussite aussi concernant... Une fatigue accumulée. Donc visiblement, vous êtes peut-être reposé sur cet été. Vous vous êtes régénéré. Avec le soleil, on est dans le discernement, dans l'objectivité. Donc si vous avez un choix à faire qui est peut-être cornélien pour vous actuellement, mais en septembre, ce sera beaucoup plus clair. Donc permettez-vous le repos, le repos mental pour y voir plus clair, en septembre, la prise de décision sera nécessaire pour vous, pour clôturer quelque chose, et vous, vraiment, vous serez plus dans l'objectivité après vous avoir reposé. Donc là, on sent que même si vous vivez un conflit intérieur qui est encore présent par rapport à un choix que vous avez à faire, attendez plutôt le mois de septembre pour vous décider d'avoir la tête au clair et reposer. Alors, on y va. Qu'avons-nous pour les gémeaux La femme, la tour, la maison. En effet, il y a une personne ici qui réfléchit, qui prend beaucoup de hauteur. La lettre, le cercueil, l'anneau, l'homme, le serpent et le vaisseau. Alors, ici, on me parle d'une personne qui réfléchit beaucoup, voilà, qui est en train de changer d'état d'esprit, qui voit les choses différemment concernant un domaine de vie, une situation. Elle prend beaucoup de hauteur par rapport à l'aspect familial, par rapport au foyer, la famille. On me montre une personne qui euh, a besoin de faire un choix en lien avec sa vie financière matériel, ça peut concerner un bien matériel, achat vente d'une maison, d'un appartement ou alors vous souhaitez louer un local professionnel ou quelque chose comme ça et vous y réfléchissez beaucoup. Après deuxième option, ça peut être une personne du signe du Gémeaux qui réfléchit énormément par rapport à sa vie de famille. Voilà. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une communication écrite qui mettrait un terme à un engagement ou à un contrat en lien avec votre vie familiale, matérielle et financière. On peut me parler d'acheter de, de, une maison alors qu'actuellement vous êtes en appartement. Voilà, ça, ça c'est juste un exemple. Ou alors de louer un local commercial pour une entreprise familiale ou quelque chose comme ça et ça vous oblige de clôturer quelque chose au niveau de votre vie matérielle financière pour accéder à un nouveau contrat et vous attendez justement cette lettre ou cette communication. On me parle de mettre un terme en effet à un contrat ou un engagement pour commencer autre chose. Il y a des mutations professionnelles aussi pour certains d'entre vous, le fait de transformer quelque chose dans sa vie professionnelle, matérielle et financière. Là, il y a un nouveau contrat. Voilà. Ensuite, il y a la notion de couple dans ce tirage, puisqu'on y voit un homme, une femme qui prend une pause, qui réfléchit au sujet du couple. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, mais cette rencontre sentimentale va vous amener à euh, différentes réflexions va vous amener à des questionnements. Alors on peut voir un échange, un partage de, de communication écrite entre deux personnes, mais j'y vois quand même une personne qui manque de sincérité dans cette union ou dans cette relation. Je vous rappelle que l'union peut être professionnelle ou sentimentale, où vous, où vous avez peut-être... Euh, un engagement avec une personne en lien avec votre vie financière, mais on sent qu'il y a un manque de, de sincérité ou d'authenticité par rapport à une personne avec laquelle vous êtes engagé. Vous vous étiez engagé, j'ai l'impression, parce que on, on peut me parler de déloignement avec cette personne, de faire une pause, de réfléchir d'éloignement. C'est comme si vous preniez énormément de recul par rapport à cette personne pour être dans l'objectivité, c'est-à-dire euh, y voir plus clair. Est-ce une personne ici qui euh, peut s'engager sur du long terme avec vous ou alors c'est une personne qui manque de sincérité C'est possible. Donc à vous de voir, de prendre énormément de recul par rapport à un membre de votre entourage pour voir si vous pouvez continuer cette relation, j'y vois quand même un voyage, un éloignement, une pause ou des vacances. voyez, on peut me parler aussi de voyage à l'international ou de déplacement en lien avec euh, la vie familiale ou professionnelle. nous allons regarder maintenant la vie affective, sentimentale et relationnelle avec l'oracle de la sagesse. et nous allons prendre six cartes. Donc n'oubliez pas les amis que la guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Alors tout ce qui brille, tic tac. La symphonie inachevée, chaos et conflit, âme sœur et respiration. En effet, au niveau affectif, au niveau sentimental, vous avez besoin de respirer, de prendre l'air pour certains d'entre vous, de réfléchir. Voilà, bon, il y a peut-être une relation actuellement qui vous pose problème. Que vous jugez ou que vous estimerez superficiel. Avec cette carte, tout ce qui brille, il y a quelqu'un qui porte un masque dans une relation qui n'est pas forcément sincère ou authentique. Cette relation, elle peut être sentimentale, familiale, amicale. On vous dit de prendre énormément de recul, de vous poser, de prendre du temps pour réfléchir à propos de la sincérité ou de l'authenticité de la relation de manière générale. On vous dit ici que vous répétez un schéma, que vous avez toujours l'impression de répéter un schéma. Voilà. Que vous faites les choses toujours pareilles, depuis un certain temps, en lien avec vos relations de manière générale. Vous avez l'impression, vous avez des regrets, vous avez l'impression de que quelque chose n'est pas terminé et que ça continue encore et encore et que vous avez peut-être besoin d'y mettre un terme à ce schéma répétitif. Là, on me parle de relations superficielles, avec un manque de sincérité. Et on vous dit que c'est maintenant, c'est le bon moment de réfléchir à propos de ces relations, pour peut-être euh, en terminer avec un schéma répétitif. Là, ici, vous vivez un conflit intérieur euh, par rapport à une personne que vous aimez ou que vous appréciez. L'âme-sœur ici peut repr représenter la personne euh, au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une âme-sœur euh, en lien avec un ami, une amie ou un membre de votre famille. Hein. Voilà. L'âme-sœur n'est pas forcément euh, une relation amoureuse. Et là, vous êtes dans une, dans une contradiction avec, euh, avec euh, une âme-sœur. Voilà. Euh, vous vivez un conflit intérieur, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à cette âme-sœur. Vous faites des choses peut-être pour faire plaisir à une personne et vous oubliez et vous vous oubliez tout simplement. Vous vous mettez trop de côté par rapport à cette âme sœur. Et ça se voit à l'extérieur. En tout cas, vous en prenez conscience. Vous avez besoin de prendre une pause, de méditer, de réfléchir à propos de cette relation. Donc c'est pour ça que je pense que vous avez besoin de repos mental de vous reposer, peut-être encore de partir en vacances pour réfléchir à cette relation, ou bien faire une pause. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage de septembre 2024. En tout cas j'espère que celui-ci vous a aidé. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous mets en lien à la fin de cette vidéo vos messages spontanés des cartes. C'est une vidéo que j'ai déjà mise en ligne sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle vous apportera de plus amples informations vous concernant. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle rentrée, un bon mois de septembre et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît les amis car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront.